cette vidéo qui va être une... Comment on va appeler ça? Bon, tout simplement un vlog vacances. En réalité, ça fait déjà une semaine que je suis en vacances, bientôt. Mais j'avais besoin de profiter tranquille et je me suis dit que je pouvais vous faire suivre le reste de mes vacances quand j'avais envie, tout ça, quand j'avais envie de prendre la caméra, tout ça, tout ça. Donc là, on se retrouve aux écuries. Voilà. On est vendredi matin, 12 août. Oui, c'est ça. Et donc, je nourris les chevaux. Et après, normalement, on est censé partir en balade avec Hermès et Orage et une amie. J'ai une bestiole dans les cheveux. En tout cas, aujourd'hui, la journée commence difficilement. Ça fait même pas une heure que je suis levée et il y a plein de trucs qui m'arrivent. Je suis tombée dans les escaliers, j'ai renversé tout le seau de croquettes d'Alpha dans l'appartement, à son plus grand plaisir. J'ai renversé des seaux de rations aux chevaux. Enfin voilà, la journée commence bien. Je crois que c'est une journée où j'aurais dû rester couchée. Mais c'est pas grave, on garde la bonne humeur. Et puis voilà, ça va être une bonne journée. Il fait beau, alors que la semaine prochaine, il va peut-être pleuvoir. Ça me plaît pas du tout. Donc on va profiter. Ouvrir ton box. Ah, si j'ouvre pas le bas, c'est normal. Bah oui, on a faim. Hop. Non, me dis pas que toi aussi t'as fait dans ta mangeoire. Ah bah si. Mais c'est quoi le problème aujourd'hui? Hein? C'est quoi ce bazar? Ça m'est jamais arrivé. Le fil à foin. Hop. Bon nappe. On va aller récupérer le fil à foin. Norling qui défonce tout. Je disais, on va récupérer le fil à foin du grand blessé. Coucou, grand chat. Ça va? En fait, il a eu une uvéite sévère et du coup, il a failli perdre la vue de cette ici. Donc, monsieur doit rester enfermé dans le noir total pendant un moment. Tu te pousses? Il commence à m'avoir marre du box. En vac. Pack. Voilà. Back. Merci. Récupère le filet. Comme ça, on va le re-remplir. Voilà. Non, 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 sors pas. Bientôt. Ce soir, peut-être que tu feras une balade s'il fait nuit. Nous sommes sur un hardback content. Et sur un hardback qui va refinir dans le noir. Pauvre petit chou. On n'a pas le choix, loulou. À tout à l'heure. Je voudrais prendre de faire une douche. Hop. Et voilà. Mamas. Il est en réveil là. Ouais. Et en masse dépasse. Alors Marine, tes impressions d'Hermès? À part le fait que ce soit un gros glouton, je ne passe que manger. Adorable. Il est adorable. Je suis trop fière. Il est super gentil, il est tout simple, tout mignon. Et c'est d'une facilité sans nom pour une... Oh là, par contre, qu'est-ce qu'il pousse? Allez. Tu dis marcher, ouais. Voilà. Ah, orage. Allez, marche. Mais là, c'est trop difficile en même temps. Non, franchement, en plus, j'ai pas monté depuis longtemps et c'est un plaisir, c'est un plaisir. Allez. Bon, bah nickel alors. En plus, il fait beau. Merci. C'est génial. Sur la pause casse-croûte. Il faut chercher pourquoi. Un esprit. C'est pas... Oh.
nickel. Petite touche, donc on glissait. Hello. Rapidos pour pas être trop au soleil. Moi j'ai déjà passé tout au fond. Ah oui. Mode astronaute. Ok. J'adore ses oreilles. Alors, faudrait que j'achète un Rambo d'ailleurs. Ouais, Hermès, c'est pas mal. On va faire un petit retour au pré pour faire le chaud. Je crois qu'on aime bien. On a la place préférée d'Alpha. Tranquillement dans l'abreuvoir des chevaux. Là mon petit chien, c'est bien là la vie? Ouais, ça a l'air. Hein. On se retrouve, on est en forêt. Je suis rentrée des écuries il y a pas mal de temps, on a mangé. Je me suis posée, me reposer. Là c'est la petite balade d'Alpha parce qu'après j'ai 2-3 courses à faire. Je dois passer chez Decathlon et chez Maxizo pour acheter des trucs à Alpha. Comme ça elle peut faire un petit peu ses besoins. Je suis censée aller à la salle mais je crois que je vais faire du sport vite fait chez moi. Ce sera plus simple. Faire des économies d'essence aussi. Et après ce soir c'est la nuit des étoiles. Du coup normalement je vais avec des amis me poser quelque part. Avec un petit McDo. C'est normalement si ça se fait. Pour aller voir les étoiles filantes. Voilà voilà. Je suis embêtée pour tourner le vlog parce que j'ai plus de stockage sur mon téléphone. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais bon, on va faire en sorte que tout aille bien. Au pire, je ferai le vlog petit à petit. D'ailleurs, je sais pas comment je vais vous poster le vlog. Si ce sera une vidéo par jour. Ou tout en entier. Mais je pense que ça sera une vidéo par jour parce que sinon j'ai peur que ça fasse trop long. Voilà. Je reviens des magasins, je devais pas acheter grand chose, mais bah j'ai acheté quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que t'en penses, Fafa? Tu as déjà mangé? Je vous montre du coup vite fait ce que j'ai acheté. Alors tout d'abord, j'ai été chez Animalis. J'ai acheté des filets de canard parce que j'ai tendance à donner des petites friandises à monsieur quand on va se coucher. Il est content, il a pris l'habitude et il attend toujours ici parce que c'est là où c'est rangé. Je lui ai racheté un bois de serre, je ne l'ai pas encore offert parce qu'il en avait un bébé, il adorait et on l'a perdu, je ne sais pas ce qu'on en a fait. En perso, autre animaux, j'ai acheté un maillot de bain, une pièce, ça faisait longtemps que j'en voulais un. J'ai acheté une ceinture noire toute basique comme ceci, je trouve que ça fait classe habillée, enfin voilà. Et chez Decat, là j'ai acheté plein de trucs. Alors pour Hermès, j'ai acheté du Sun Protect. Donc de la crème solaire pour son but du nez, parce qu'il a tendance à prendre des coups de soleil, même si dans les nouvelles écuries, ça va, vu qu'il n'y a pas de, plantes photosensibilisantes. J'ai acheté de l'émouchine, parce que celui que j'avais acheté chez Kramer, il était pourri de chez pourri, donc voilà. Et j'ai acheté ça, on va tester, c'est du Kinesi Balm, donc baume de massage pour tendons, muscles et articulations avant après l'effort. Donc pour son petit problème au niveau des cervicales, on va tester. Ensuite j'ai acheté pas mal de vêtements de sport, donc chez Decat, donc des chaussettes de cheval parce qu'on en a jamais assez, et puis celles que j'ai sont quand même assez vieilles, donc voilà. J'ai acheté un polo noir tout simple, Fugenza, voilà, j'avais pas de polo noir, il est assez léger donc c'est pas mal. Hop, 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 j'ai acheté, ah c'est emmêlé, t-shirt de sport bleu, j'aime beaucoup la couleur, il est tout fluide, etc. Très fin, donc c'est très bien. Pareil de cette couleur, parce que j'ai un ensemble déjà à peu près rose. Mais non, Alpha, mange pas le t-shirt. J'ai acheté aussi un débardeur vert, voilà, j'aime bien la couleur aussi. Je voulais acheter un legging noir, mais je vais l'acheter ailleurs que chez Decat. Et un débardeur noir. Voilà, parce que j'avais vraiment pas de haut de sport, donc ça c'est fait. Et ça c'est trop pratique, j'en avais grave besoin pour quand je vais courir, pour quand je vais à la muscu, ou quand même je vais au cheval et que je n'ai pas de poche, ce qui est assez courant. Et pour finir, un pantalon de cheval, Fugenza du coup forcément, donc voilà, bleu émeraude, avec des petits grips ici, c'est plus un legging.
Par contre, mon dieu, ce que ça coûte cher. Purée de pantalon de cheval. Pourtant, c'est un bas de gamme. Hein. Il y a une petite poche ici, à zip. Mais voilà, ça ira avec mon tapis velvet émeraude. J'aime pas faire ton surtout, mais bon, je me dis que ça ira avec le petit polo noir qu'il y a là-dedans. Et voilà. Et toi, tu veux sortir? Oui. Pour aujourd'hui, vous allez plus voir grand-chose parce que là, je vais rejoindre des amis. On va se faire un petit McDo pour voir la nuit des étoiles filantes. En espérant qu'on puisse en voir quelques-unes. J'emmène le petit chien. Et voilà, j'ai pas eu le temps de faire le ménage, j'ai pas eu le temps de faire mon sport. Mais tant pis, demain, je me lèverai pas trop tard et je le ferai demain. Puis voilà, voilà. De toute manière, Hermès sera en repos demain. Vu qu'il a été déjà monté le lundi, mardi il a fait du repos, mercredi il a fait du repos. Non, mercredi il a fait une balade d'une heure à pied le soir. Jeudi il a fait une séance de barre au sol et aujourd'hui bah, du coup il a été monté. Et dimanche il se passe aussi quelque chose, mais je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, demain il est au repos, comme ça j'ai juste à aller le nourrir et c'est tout.